Inspire, action. Bon, aujourd'hui, une micro vidéo pour vous parler de permaculture sur balcon. Oui, parce que n'y a pas de raison, c'est pas parce que vous n'avez pas un grand jardin que vous ne pouvez pas appliquer quelques principes, même dans un tout petit pot comme celui-là, ou dans dans un bac un petit peu plus grand. Là, par exemple, dans celui-là, on a mis sur le fond pas mal de branchages, après des coupes de tonte des voisins qui ont la chance d'avoir des petits jardins même à Paris ici. Et vous pouvez prendre des feuilles mortes, autre chose. Et puis ensuite un mélange avec un petit peu de compost maison ou que vous allez rechercher dans des jardins collectifs. Et puis de la terre, tout simplement. Évitez d'acheter surtout de la tourbe qui est en voie de disparition et donc qui s'achète dans les magasins, dans les jardineries, etc. parisiennes. Et c'est pas très écologique et pas très éthique, même si oui, c'est vrai que c'est de la terre formidable. Et donc, dans vos petits pots, eh bien, c'est très simple, vous allez reproduire exactement la même chose. Donc, de prendre un petit peu de matière carbonée, de morceaux de bois, de branchages, de choses que vous pouvez très bien trouver dans les parcs et jardins de grandes villes. Vous les mettez au fond et puis ensuite vous recouvrez avec un petit peu de matière végétale qui vont apporter de l'azote. Ça peut être des coupes de tonte, ça peut être de l'herbe, des feuilles, etc. Et puis ensuite vous allez mettre votre petit mélange de terre, si possible que vous ayez tamisé. Ce serait mieux quand même pour permettre la bonne enfouissement, on va dire, des racines de vos plants. Les semis dans des petits godets plutôt au début. Et puis ensuite, vous transférez dans des pots comme ça, dans lesquels vous pouvez là aussi appliquer le principe de permaculture sur but, mais à l'échelle d'un petit pot, en mélangeant toujours un petit peu de compost, mais pas trop pour pas cramer les racines, avec de la terre. Et même dans des petits pots comme ça, vous pouvez aussi utiliser des zoyas, donc qui sont ces sortes de petites argiles pour éviter de trop arroser si vous devez partir. Mais tout le monde peut avoir la main verte, même dans des petits apparts parisiens. Puis si ça vous a plu, même sur ce nouveau petit format que normalement je réserve plutôt pour Instagram, eh bien n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à notre newsletter, à nous découvrir en formation ou sur plein d'autres événements. À bientôt !